our souls up. And I know it. Fucking with the whole bus. We won't get. Yo tout le monde, c'est Underexcel. Et aujourd'hui, excusez-moi, on se retrouve pour quelque chose qui faisait assez longtemps qu'on n'avait plus fait. Un petit simulateur. Et aujourd'hui, on se retrouve sur Ant Simulator. Donc, excusez-moi, on s'est déjà pas sauté. Donc, il nous raconte que cette version-ci a été faite en 48 heures. Enfin, vu comme ça, ça a l'air d'être beau, mais bon, on ne sait jamais. We are currently working. Donc, ils espèrent faire une meilleure version. Excusez-moi, il y en a un qui passe en moto dans la rue. Ils espèrent faire une meilleure version pour cette année-ci, donc en 2015. Donc ils disent que pour la future version, à ce que je comprends, donc on pourra détruire, construire, escalader des murs. Il y aura un mode multijoueur, on pourra se battre et faire de nouveaux graphiques et artwork. Donc apparemment, à ce que je comprends, c'est une version... Oula, je savais pas qu'une fourmi était aussi rapide. Donc c'est une version de démo. Je ne sais pas, il n'y a sûrement pas de but. Oula, oh. Qu'est-ce qui se passe? Ah d'accord, il y avait un trou. Bon, on va aller dans ce trou. Oh, une amie, viens ici mon ami. Oh, ah viens ici mon ami, j'ai dit. Je suis trop rapide pour toi. Ah, où es-tu? Reviens ici mon ami. Ouais. Je passe à travers cette fourmi. Je passe à travers. Je m'accouple avec aussi. Bon, j'ai dit qu'on allait voir ce qu'il y avait dans ce trou. Donc on va descendre. What? Il y a une... Ah d'accord, c'est une fourmilière. Et j'ai appris un truc dans les fourmilières. Donc, ils ont une statue de leur reine en or. Tout va bien et j'ai réussi à monter sur sa tête. Oula, elle est très réfléchissante. Mais c'est dommage qu'on sait pas voir notre reflet. Mais bon, le reflet d'une fourmi, ça doit pas être au top. Je dois sûrement ressembler aux autres. Genre, ça. Donc la démo se trouve sur Gamejolt. D'ailleurs c'est là-dessus que je suis en train de jouer actuellement. Je fais partie des 12 joueurs présents sur le chat. Rien de grave. On va retourner par là et j'ai cru voir au loin une fourmi en train de se planter comme je ne sais pas quoi. Bon, on va faire un petit tour quand même de cette map. Je sais pas si... il y a des missions ou autre chose, enfin je crois pas, parce que normalement il l'aurait mis au début, et vu que c'est une version démo, d'après moi on va juste se balader dans ce monde. Juste les textures, il y a des moments elles sont archi dégueulasses, genre ici sur cette feuille, sur cette herbe plutôt. Ah, c'est tellement grand qu'on confond. Oh, une autre amie, reviens ici ami. Non, par là tu se... Bon. Ok, la version ici est quand même assez buggée. Je vais rien dire vu que c'est quand même une version de démo et que normalement la bonne version devrait sortir cette année. Normalement bientôt, j'ai pas tout à fait lu. Et le temps que je retrouve où je l'ai lu. Oula, et celle-là je l'ai chevauché. Le temps que je retrouve où je l'ai lu. Ben voilà. Et la vidéo va durer une demi-heure, tout va bien. Je crois que c'est tout aussi passionnant que Walking Simulator en fait. Ici je fais la fourmi cascadeuse. Regardez ça. Oui, je suis une cascadeuse. Bon, bien sûr, il a fallu que je me faille. Encore une fois. Moi, il y a un truc que je me pose. Si ça, c'est l'arbre, ce qu'il y a derrière, c'est des arbres. Enfin, d'après moi, c'est ça, parce que quand je vois la taille, je dirais plus que c'est des arbres.
Mais si on prend, ouais, bon, je vais parler un peu mathématique. Si on prend l'herbe proportionnellement aux arbres, je crois que les arbres sont assez petits. Je me demande s'il y a moyen d'aller par là. Non, il n'y a pas moyen. Ah non, j'ai rien dit, il y a moyen. Ouais, on s'en va across the map, on est une cascadeuse. Bon. Je sens que je vais encore mourir dans un simulateur. Et oui, c'est. Oula! C'est bien des arbres. On est parti across the map, tout va bien. Bon, il y a encore 2-3 bugs à fixer, je dirais. Mais bon, c'est leur problème. Ah. Donc ça c'est une texture qu'on s'est pas passé au trap. Et ça y est, ça m'est encore arrivé. Deuxième fois que je meurs dans un simulateur. Bon, c'était assez court parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. Graphiquement, il n'est pas encore trop moche. Moi, ce que le seul problème que je trouve à dire par rapport à la vue, c'est qu'on voit bien la vue d'une fourmi avec ses petites antennes là et son espèce de bec qui bouge dans tous les sens. Je savais même pas qu'ils avaient ça. Bon, sur ce, c'était Under Excel pour une vidéo assez courte sur des simulateurs, vu que ça faisait assez longtemps, et on se retrouve plus tard pour une prochaine vidéo.